Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, je vous présente une pièce ultra rare de 2 francs en argent. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de la pièce de 2 francs 1878 à Épreuve sur Flambruny, frappée à l'occasion de l'exposition universelle. Cette pièce a un poids de 10 grammes, un diamètre de 27 mm. Le métal, c'est de l'argent à 835 millièmes. La tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté, c'est du R4. Sur la verre de la monnaie, on retrouve la tête de la République de profil gauche en Cérès, déesse des moissons, portant un collier de perles, un double chignon et une couronne composite de blé, fleurs, oliviers et olives, chêne et glands, nouée par un ruban descendant sur le cou et passant sur le front où est inscrit le mot « Concord ». Sous la tranche du cou, le long du listel, on a la signature E.A.Houdiné. Et de part et d'autre de la République, on a les mots « République française ». Sur le revers, on a la valeur 2 francs en deux lignes, au-dessus du millésime 1878, le tout dans une couronne composite de 2 branches de chêne et 2 branches de laurier, nouées 2 par 2 en bas par un ruban. Sous le nœud apparaît la lettre d'atelier A pour Paris. Et au-dessus, en arc de cercle, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce est extrêmement rare, vu qu'elle n'est connue qu'à 30 exemplaires. Et bien sûr, la valeur est énorme, vu qu'elle vaut 15 000 euros en état splendide et 23 000 euros en état fleur de coin. J'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.